Aujourd'hui, c'est un grand jour pour à la fois les transports Mendy, mais à la fois pour la profession, puisqu'on inaugure la première station en France GNL-GNC. Et on inaugure également la première mise en route de véhicules GNL, la première flotte sur les routes françaises. Je suis très satisfait d'être aujourd'hui ici sur cet événement. En effet, c'est l'inauguration de la première station en France GNC ou GNL. Donc une étape fondamentale dans le développement du gaz pour l'alimentation des véhicules de transport de marchandises en France. J'en suis d'autant plus content qu'on l'a fait avec une entreprise qui était une partenaire de Iveco depuis plusieurs années. Et donc c'est un vrai partenariat unique et exceptionnel entre Iveco et l'un de ses clients. Votre expérience sur la base de Castets après la formation d'une vingtaine de conducteurs montre que les conducteurs ont assez rapidement assimilé les nouveaux gestes et qu'ils se sont rapidement adaptés à cette nouvelle technologie sans contrainte particulière et qu'après, je dirais, une période de formation relativement courte, ils sont relativement autonomes sur la route et assez conquis par cette technologie. Donc c'est une station dans laquelle on a investi sur toute la partie immobilière, mais également toute la partie génie civil et gros œuvres. Et il y a également donc derrière Gaz Natural qui a investi sur toute la partie équipement. La capacité de la station, c'est pour fournir 100 camions par jour. Après, ça c'est modulaire. S'il y a plus de camions, on peut faire une amplification de la station sans problème. On a de l'espace ici. Et l'idée, c'est de convertir cette station dans une station publique au futur. Alors, ce qui nous a amené aujourd'hui à nous diriger vers le GNL, ce sont plusieurs choses. Donc, tout d'abord, nous travaillons avec des clients qui demandent de plus en plus des livraisons urbaines. Donc il a fallu travailler sur des véhicules qui ont moins de nuisances sonores, qui polluent moins également. Et il fallait également innover, puisqu'on a toujours essayé d'avancer dans ce domaine, et trouver un alternatif au pétrole, et notamment le gaz. Alors le gaz dans le transport poids lourd, il est connu depuis plus de 15 ans, mais on était dans une logique de marché de niche. Ce qui a fait naître ce marché, ce sont les caractéristiques environnementales qui restent entières du gaz, à savoir d'abord des émissions de particules qui sont nulles, des émissions d'oxyde d'azote qui sont 70% inférieures à la nouvelle norme Euro 6 et un bruit divisé par deux. Mais finalement, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de mission type pour le gaz. Parce qu'il y a une chose qui va faire que cette énergie va se démocratiser et va progressivement remplacer l'énergie du diesel, c'est son coût, tout simplement. Dès qu'on peut atteindre une flotte entre 15 et 20 poids lourds, les conditions économiques sont remplies pour tout simplement être dans la transition énergétique, rouler plus propre, plus silencieux, mais surtout rouler moins cher qu'avec le carburant diesel. Le slogan « zéro pétrole, zéro particule » signifie que Transport Mendy souhaite garantir à ses clients des prestations de transport sans pétrole et donc sans particules, c'est-à-dire utilisant soit du gaz naturel, du biométhane et pourquoi pas demain de l'énergie électrique pour les derniers kilomètres. Nous avons beaucoup communiqué aujourd'hui sur la marque Bellara, en sachant que l'on parle bien sûr des Transports Mendy, mais avec une nouvelle marque donc, qui s'appelle Bellara, en référence à la vangue que l'on trouve dans le Pays Basque. Et cette marque Bellara représentera plusieurs choses, à la fois le développement durable quand on travaille avec des clients en 100% pure énergie, mais également la possibilité de louer des véhicules entretien et formation à des transporteurs qui ne connaissent pas ce sujet et qui préféreraient louer du véhicule. Et on étudie également à terme de pouvoir louer des véhicules à la fois avec l'entretien, la garantie, la formation, mais pourquoi pas le gaz compris pour qu'un transporteur puisse avoir des coûts précis, termes fixes et termes variables.